Salut à tous et à toutes, c'est Ranulf sur South Park, l'anal du destin. Nous nous étions arrêtés après avoir battu la bande du 6ème qui bloquait le chemin ici. On va continuer les aventures de South Park. Salut. T'aurais jamais dû venir ici, super crétin. Aïe. Ok. Alors quoi, t'es invincible, c'est ça? Tu te fous de ma gueule, c'est contre les règles. Tu dois avoir une faiblesse. Va voir le moustique, il pourra t'aider. Je mets les autres infos de ta fiche de perso sur ta carte. Dépêche-toi d'aller faire des missions de super-héros. C'est le seul moyen de remplir ta fiche de perso. D'accord. Du coup, je vais aller commencer par... là. Hop. Voilà. Fiche de perso. Race, ethnie, sexe, genre, alignement, religion, kryptonite, niveau économique. Ok. Mais j'ai vu une bande de déplacement ici, justement, oui. Félicitations, nouveau. Ton système de déplacement rapide est totalement en service. Oui. Trouve d'autres points pour étendre ton réseau. Et si t'as des ennuis, Quickie sera là pour toi. Salut. Bien joué. J'ai besoin d'un trajet. On va où, le nouveau? Le deuxième est juste là. Ça sert à rien. Les portes sont toujours durables, tout ça c'est puissé, c'est la meilleure. Ah oui, tiens, je vais aller fouiller les missions. La prochaine fois, je ramène mes propres magazines. Fais-toi plaisir. Faut que je fouille. Mais vas-y, fouille! Voilà. Je crois que... La prochaine fois, je ramène mes propres magasins. Y'a un truc qui gratte dans l'air ou c'est mon visage? Tu t'es fait faire le visage, cowboy? Bonne idée. J'ai du nouveau en stock. Je sais à quel point tu aimes le matériel médical. Ok, d'accord. À la prochaine. Ok, c'est un magasin donc ici. Voilà, ça. Selfie. Tu es un ami de Wendy, c'est ça? Elle semble si intelligente pourtant. Sympa. Oh, bien sûr. Mon Dieu, ça va être une surprise pour Wendy. Yeah. Ça ne t'embête pas si je me remets au travail? Merveilleux. Bon, non, fais ce que tu veux, hein, je sais pas rien, moi. Attends, j'ai vu un truc qui est... l'artefact. Instagram. Un mec là-bas de Wendy a peu trop. De Wendy a trop un bureau qui déchire. Ah, ça. Tu dis bien l'école et peut-être qu'un jour vous travaillez dans un joli bureau. Ouais, ben ce qu'il y a au-dessus, c'est pas joli, joli, hein. C'est le bordel. Puis...
ta mère qui a choisi ta tenue? Ouais, laisse ma mère tranquille, elle est sérieuse. Mais... Pshou! Ouais, je peux pas. Des mobiles. J'aime aider les gens à souscrire à... Oh, j'adorerais faire ça, mais après que t'aies pris un nouveau forfait téléphonique. C'est-à-dire? Une cargaison vient d'arriver sur le quai, jette un coup d'œil. Focaliseur Sonic, c'est quoi ça? Ah, c'est un artefact. Couvre-chef spécial radio-cassette. Je vais t'ajouter à notre liste de diffusion. Forfait mobile... Ah... D'accord, c'est ça qu'il Merci faut. Merci d'avoir fait tes achats chez Démobile. $30. Reviens quand tu Mais veux. Non. Oh, j'adorerais faire ça, mais après que t'aies pris un nouveau forfait téléphonique. Ok, bah j'ai pas $30, mec. J'ai vu toi. Flacon de pissin encore. Ah ah. J'aime bien la musique quand même. Allez go 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 go. What? Vite. Ouf. Attention, vous avez 5 secondes pour obéir. Oh là 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 là. Approchez de substances réglementées. Éloignez-vous de la porte, vous serez abattu. Oh, wow, wow. Dites non à la drogue. T'es mort. Oh, mais c'est la violence. Attention, vous avez 5 secondes pour obéir. Oh, je suis tout en haut. Ouais, avec moustique. Ok. Le moustique doit être à l'intérieur. Entre, mais évite de succomber à leurs ailes de poulet et aux filles canon. Ouais, oh, t'inquiète, je peux tout de suite, de toute façon, je vais faire la mission secondaire. Je suppose que je peux pas y aller. Les intrus seront violés. Ok, ouais, bah, ok, ouais, fuck. Tu crois que je vais faire une petite coupure de temps que j'arrive aux missions secondaires. A tout à l'heure. Petit à petit, pendant que je fouillais la petite ville de South Park, en venant ici, on j'ai trouvé fait tous des erreurs, chérie. C'est ceci. Qui a éveillé. Quoi, quand toute la réaction, c'est à mon avis, ça c'est pour le petit vieux. Si ça ne marche pas, tu pourras toujours te jeter dans les escaliers. Et ta soeur aussi, non? Bon, ben, c'était un petit aparté vite fait, donc on reprend. Dra. Désolé, quand sera arrivé à l'objectif de mission. Nous voilà presque arrivés à la mission secondaire là-bas, sur l'école. Dégage, nous apportons le chaos. Mais
Il y a la castagne. Vous n'êtes pas taille pour mon armée, la bande des coudes. T'es sûr? Fous-leur sur la gueule. Ah d'accord, c'est comme ça. Ok. Si je fais ça, non, c'est trop loin. Bon bah ça te fait. C'est comme ça qu'on fait mal. Bon, autant finir vite. Oh, mec, il est où le feu? Place des ordres. Ouais, y a beaucoup de... Ça craint pour toi, le nouveau. Mais non, t'inquiète. Cas où, tu le regretteras, esclave. Attention, faut pas regarder mes putains d'yeux laser. L'excitation monte. Premier alcool, ça fait. Bim, bim. Pour quelqu'un soumis aux lois de la physique. Oh. Acheter. Tu petits objets pour animer les membres de l'occupateur. Ouais, j'ai vu ça c'est là, ici. Là. Je suis pas mécontent de cette bagarre. Ah voilà. Trop facile. On va ici, tu vois. T'as des filles. Ah, mais c'est dégueulasse. Nope. Alors c'est un truc à faire avec ça, mais bon, on verra ça plus tard apparemment. C'était dégueulasse. Et après on dit que c'est peut-être des mecs qui sont plus... Ouais bah là ils sont dangereux ces chiottes. Ok, bon bah voilà quoi. Ah, on est pas loin, on a une rue. Allez, 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 voilà. Ah, bah nickel. Oh tiens, des selfies encore. Ok, mais pas de conneries. Oh, hein. Je savais que tu déconnerais. Mais j'ai rien vu. Peut-être que ce coup-ci, tu déconneras pas. Ok, oh, d'accord. Dans ce cas, ok. Ok, c'était passionnant. Youpi! Pareil que tu veux un bon point pour ça. Je m'en tape complètement. Ok, pas de soucis, je prends une photo. Bah vas-y, nickel. Youpi! Ouais, merci. À toi. Sérieux, je fais 10 selfies par jour. Bah voilà. Youpi! Génial! Toi aussi tu as cette fille? Nope. Je me demande c'est quoi ces trucs là, j'en ai vu un peu partout. Ouais, il y a un coffre en haut. Bon, allez on monte. Enfin...
Bon, quand je spoil, on va fouiller. Je peux pas monter là, sérieusement. Oh là 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 là. C'est un peu vide niveau musique et dans ce jeu, du coup, maintenant, enfin, dans cette école. Non. D'accord. C'était bizarre ça. On peut pas aller par ici, donc c'est calé, c'est à droite. Ici. Salut, petit ou. Ah bonjour, alors te v'là, vous voyez. Ah super, merci d'être venu, assieds-toi. J'ai pas envie. Bon bah on va le faire. Hein. En tant que conseiller, tu peux venir me parler de tout, vous voyez. Alors si je comprends bien, tu veux parler de sexe, hein. Tu sais, je suis très qualifié en matière de sexe, vous voyez, et tu n'as rien à craindre. C'est très simple. Quand tu veux parler de ton sexe, il suffit. Tu peux simplement commencer par dire je suis un garçon ou une fille ou autre. Oh, bon bah, je suis masculin. Hein. Masculin, oui, exactement. T'as compris. Bon, je sais que c'est assez troublant, mais écoute bien, vous voyez. Si tu étais né garçon, on appellerait ça garçon cisgenre, vous voyez, ou cis. Pour faire court. Mais bon, on peut évoluer pour devenir un garçon. Tu vois ce que je veux dire, vous voyez? Si tu n'es pas né garçon et que qu'on te considère comme tel, on appelle ça transgenre, vous voyez? Ou trans, pour faire court. Alors, tu te vois comme cisgenre ou transgenre? Je suis cisgenre, hein. Vous voyez? Tu peux rester là une minute, il faut que j'appelle tes parents. Ça prendra qu'une seconde. Bonjour, c'est Monsieur McKay, le conseiller pédagogique. Oui, bonjour. Votre enfant est avec moi dans mon bureau et voilà, il vient de m'apprendre qu'il serait cisgenre. Cela signifie qu'il s'identifie au sexe qu'on lui a attribué à la naissance. Oh, vous étiez au courant? Vous voyez? Eh bien non, c'est très bien. Je voulais juste m'assurer que vous saviez qu'il existe d'autres options. Vous savez, on ne commence pas forcément à jouer avec la première main distribuée, vous voyez? Oui, non, c'est bon à savoir, vous voyez. Je crois vraiment pouvoir être utile désormais. Merci infiniment, vous voyez. Au revoir. Ok. Bien, je suis ravi d'avoir eu cette conversation. En tant qu'homme cisgenre, je sais combien il est difficile pour un garçon d'aimer une personne du sexe opposé. Mais n'oublie pas que l'amour, c'est l'amour. Même pour un garçon qui aime les nénés, vous voyez. Fais attention à toi, vous voyez, parce qu'il y a pas mal de gens dans le monde qui ne vont pas t'accepter comme tu es et tu vas devoir faire avec, vous voyez. Bon, mais reviens voir quand tu veux. C'était bizarre. C'était très très bizarre. Ah, deux secondes, je regardais si je peux pas faire un selfie avec lui du coup. Monsieur, face une fille. Oui. On devrait faire un selfie de nouveau. Je suis genre culturellement jeune, vous voyez. Il me fait pitié ce prof. Bien, vous voyez. Allez, c'est parti. Ouais, il faut sûrement le code. C'était spécial, mais bon, on va se... Ah, une poubelle. On va se donc retrouver sur l'autre. On aurait besoin de plus de super-héroïnes à South Park. Ouais, bah ça sera pas moi. Bien, bien, bien. Si ce n'est pas un garçon, c'est Jean. On n'aime pas trop les gens dans ton genre, dans le coin.
Souhaitons la bienvenue à ça. J'ai rien compris. Je vais casser la gueule comme je l'ai fait à Adèle en 94. Quicky, bondis à l'action. T'es sérieux, mec? Waouh, mes tympans ont claqué. Si t'avais lu la Constitution, tu saurais que c'est mon devoir de te casser la gueule. On a fait le bon choix. On va vous botter le cul, les enfants. Bien sûr, bien sûr. Ce que je vais faire, c'est ça du coup. Ouais, ça a dû faire mal. Alors, mission accomplie. Tiens, ils sont prêts toujours au nouveau. L'Amérique, aime-la ou va chier, socialiste. Aïe, ça va, homme cerf-volant? Tu es blessé, tu sais comment ça commence mal. Non, non, je suis déjà pour m'en servir. Car du ciel fond le cerf-volant. Je peux pas du coup, bah ça soit attaqué lui du coup. Et moi qui trouvais les cerfs-volants nuls. Ravi d'avoir fait changer d'avis, Super Craig. Qui t'a dit que j'avais changé d'avis? Ah, je suis dégue. Bon, ben. J'en ai plus rien à battre. Bim! C'est lent, mais c'est efficace. Prêt à laminer l'ennemi à la vitesse du son? Ouais, je m'y attendais. À toi, cul d'enfer! Je vais encore le faire voler du coup. Bim, bim. T'en fais pas de nouveau. Pas la fureur, mais la vitesse. Le plus puissant des cerfs-volants. Et hop, un petit soin. Merci. Oh, je peux enfin y aller. Merci. Merde. Félicitations, super ami. Quickie est dans les starting blocks. Ah bah tiens, je peux rester Quickie, tiens, ça super. Les points peuvent régler tous les problèmes. GG, Quickie, beau gosse. Poum. Ce genre a pu changer, d'accord. Donc on peut changer le genre quand on veut, ça veut tout dire. C'est quoi ici? Nous voulons voir quand voit ta tenue, t'as besoin d'aide, non sérieux, super urgence mode. Quelqu'un a demandé un voyage express? Non c'est bon, donc je peux aller là et là-bas. Je vais aller à l'église. T'as trop la tête dans les mains? Ouais, ici, voilà. Ah, je peux créer ce costume.
Ah, nickel. J'aime bien ce costume, je vais le mettre. Déjà créé, voilà. C'est quoi ça? Chaîne séante. D'accord, ok. Ce que je vais faire, costume, je vais mettre ce costume. Voilà, ça fait plaisir. Fiche de perso du coup, j'ai quoi de nouveau du coup? Créateur, ouais, créer des objets différents, collecter 5 œuvres et oui, j'ai déjà 2. Faire en sorte que tu personnages te suivent sur Castacom, ouais, donc c'est la note, c'est nouveau. Trouver 5 souvenirs sins, ok, d'accord. Voilà. 3 nouveaux artefacts. Ah, surtout j'ai up. Quoi ça? Ça donne quoi? Les gars, des faits d'état. C'est quoi ça? Il fait quoi ce truc? Condensateur à cristaux. Ubisoft. 4-4-4, ok, ça fait. Récupération d'ultime. Ah, c'est pas mal! La plupart des artefacts t'aiment dans la bonus de cette équipe. Une fois que tu en es équipé, pour en savoir plus, bon, ok, on va savoir plus. Dégâts de coups critiques déterminent la quantité de dégâts bonus que tu infliges en appuyant sur croix en cours d'attaque. Récupération d'ultime, hein, ça c'est que je récupère la vitesse plus vite. Ouais. Dégâts d'effet augmentent la quantité de dégâts infligés par combustion, dégoût, choc et saignant. Ok. Récupération de santé détermine la quantité de santé recouvrant un peu sur croix quand tu touches. Ah, d'accord, c'est pas mal ça. Dégâts de repoussement détermine la quantité de dégâts bonus infligés quand tu envoies un dégât d'ennemi sur quelque chose. Ouais, santé d'allié, ok. Tu trouveras plus d'informations dans les stats, ok. Mais c'est quoi ce petit 1 du coup? Ah, je vais ça. Ah, d'accord. Et c'est débloquer un niveau 4. Ok. Voilà. Bon. Truc du cul, n'oublie pas d'entrer ton arsenal en montant de niveau. Ok, ok, ok. Et forcément, j'ai up. Forcément mineur. Yay. C'est bon. C'est donc sur ça que nous allons nous laisser. Donc je vous dis au revoir. Abonnez-vous, pouce bleu si vous avez aimé. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.